Voilà, on continue pour la locomotive. Ouais, vous voyez qu'il y a un petit décalage. Bon, ouais, c'est pas grave. Enfin, un petit décalage, il est quand même énorme, mais c'est pas grave. Je sais pas ce que j'ai fait avec le dessin de base, mais bon. En fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans. Je vais sélectionner mon dernier wagon. Je vais faire objet dissocié. Voilà. Ok, et donc maintenant que c'est dissocié, je peux juste prendre le carré ici et l'agrandir pour faire la locomotive. Ce que je vais faire pour mieux voir en dessous, c'est que je vais jeter la couleur, hop, dans le fond. Voilà. La roue, je vais la mettre ici. Je crois qu'il faudra l'agrandir un petit peu. Voilà. Voilà, ce que vous pouvez faire, c'est Shift et cliquer glisser, et après, pendant que vous faites ça, vous appuyez sur Alt, et du coup, ça va rester en position. Voilà. Pareil ici, vous placez la roue, vous appuyez sur Shift, vous agrandissez, et maintenant vous appuyez sur Alt, hop, et vous lâchez. Ensuite, et ben on va faire la barre ici. Donc je crois qu'elle passe. Attendez, je crois qu'elle passe au-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais remettre les roues après. Donc je la fais droite comme ceci. Je prends la pipette et je mets la couleur. Voilà. J'incline. Voilà. Hop. Je modifie l'épaisseur. Ok. Voilà. Ok, voilà. Donc, ouais, visuellement, je trouve que c'est plus joli si je fais comme ça. Comme ceci. Voilà. J'adapte un petit peu, d'accord. Ensuite, la cheminée. On va faire. Bon, on va commencer par la cabine, ce sera mieux. Donc, carré. Voilà. Pour mieux voir ce que je fais, je mets en mode contour. Ok. Ici, j'en refais un au-dessus, pile poil, tac. Et je fais la fenêtre. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner mes formes. Enfin, la première, je prends la pipette, je donne la couleur. Ici, je fais la même chose, je sélectionne la pipette, je donne la couleur. Ici, c'est blanc, donc pas de souci, je mets blanc. Enfin, d'abord, j'ai mis la couleur sur le fond et puis j'ai changé. Ok. Ouais, ça me perturbe super fort que ce soit pas. Je regarderai tout à l'heure. Et ici, je mets la couleur. Voilà. Ok, donc si je dézoome un peu, on voit que ça commence à prendre forme. Alors ici, la cheminée. Ce que vous pouvez faire, c'est. Oui, vous pouvez faire un rectangle. Voilà, on va passer en mode contour. Enfin, en mode contour, on va mettre la couleur sur le contour. J'ai toujours ma palette contour qui est affichée. Je vais diminuer comme ça un peu le contour. Je vois mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la flèche blanche ici. Donc la sélection directe. Je vais cliquer à l'extérieur de la forme ici dans le vide. Et je vais aller précisément sélectionner le premier point d'ancrage ici. D'accord? Et je vais faire un clic et glisser. Je vais le bouger en fait, vous voyez? Comme ceci. Je vais faire la même chose ici. Ah, ma souris va plus très bien. Voilà. Comme ceci.
Comme ça, j'ai un peu déformé. Voilà. J'essaie de me rapprocher un peu de la forme. J'ai un peu, voilà, j'ai un peu déformé ma forme grâce au point d'ancrage. Enfin, grâce à la modification des points d'ancrage. Et là, je peux donner la couleur. Alors ici, comment on va faire? Ce qu'on peut faire, c'est... On va prendre le polygone, ouais. Voilà, donc faites un cliquer glisser. Je sais pas si vous vous souvenez, hop, cliquer glisser. Vous lâchez pas le clic gauche de la souris et vous appuyez sur la flèche du clavier qui va vers le bas. D'accord? Voilà, vous avez un triangle. Alors, je clique à l'extérieur de la forme. Je viens chercher ici. Hop, j'essaie d'être précise. Voilà. Le point d'ancrage et je le mets là. Je prends le point d'ancrage, je le mets là. Et l'autre point d'ancrage, je le mets comme ceci. Vous voyez? Donc je désélectionne. Je dois recaler ici. Je vais zoomer, ce sera mieux. Ok. Donc je reprends ma flèche de sélection directe. Je sélectionne le point et je viens le caler. Ici, vous voyez, c'est écrit point d'ancrage, c'est-à-dire que je suis sur le point d'ancrage de l'autre forme et que c'est très précis. Donc je vais rester en mode zoom, je vais juste appuyer sur la barre d'espace pour hop, bouger. Et je vais sélectionner le point qui est ici. Et vous voyez, quand je sélectionne le point, il y a un petit rond qui apparaît. Et quand je mets mon curseur de souris dessus, en dessous de ma flèche blanche, j'ai une espèce de petit arc. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut arrondir les angles. C'est ce qu'on va faire. Je vais dézoomer pour mieux voir. Il faudrait que j'ajuste ici un peu aussi, je pense. Donc ici, on va se mettre sur le petit rond. Ok, on va cliquer glisser et on va arrondir. Voilà. Et donc ici, je pense que je suis pas précise. Je vais un peu zoomer. Ouais. Et je vais voir avec ma flèche blanche. Hop, je clique dans le vide et je resélectionne. Voilà, on va recaler ça. Tac, voilà. Ouais, c'est parce que je suis mal placée par rapport à la forme qui est derrière. Ok, donc le train c'est fait. On va dans la vidéo suivante. On va faire les petits nuages, les lettres, et ainsi de suite.